donne le top et on attaque. On a remise des bouteilles pour les vendangeurs de l'an dernier. 11h45, on passera au pressoir et on vous montrera la restauration qu'on a fait avec l'encan 2007. Et ceux qui veulent déguster, vous pouvez descendre. Donc, dans le caveau, il y a les fûts à la dégustation pour ceux qui ce soir achèteront du vin. Mais tout le monde peut aller les déguster, c'est pas réservé à eux. Donc, si vous voulez descendre, vous pouvez y aller. Et les vendangeurs, d'ici 10 minutes, je vous appellerai et je vous remettrai un carton de bouteilles. Voilà, merci. Bon, allez, on va commencer. Donc, l'an dernier, on vous a sollicité pour une vendange à la main. On est parti sur 4 ou 5 endroits. On a fait une vendange traditionnelle. Et on vous avait promis. On vous avait promis de vous récompenser avec. Qu'est-ce que c'est ce bordel? On vous avait promis de vous récompenser avec des bouteilles. Putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, allez, je commence à appeler, mais ça, excusez-les, hein. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là, mais... Monsieur Campon, ah, je suis contente de vous rencontrer. Votre nom, par contre, je ne suis pas contente de l'oublier, hein. C'est le nom de mon gynécologue à Bagnères de Bigorre. C'est vrai, hein. Je vais me présenter. Si des fois il n'est pas là, je peux le suppléer. Oh, mais tu te donnes, vous êtes coquin. Vous avez les yeux couleur rivière glacée transparente. Comme la Dour. Kaki. Mais quand même, je suis bien contente d'être là parmi vous, hein, pour la fête de ce soir. Mais qu'est-ce qui se passe là exactement ce matin, monsieur? Alors là, moi, je vais remettre les bouteilles à ceux qui ont vendangé l'an dernier. On avait sollicité des vendangeurs, ils ont vendangé bénévolement et je leur remets des bouteilles. Tout ça là, c'est des vendangeurs? Ah, des vignerons? Vendangeurs, vendangeresses? Lâchez pas la grappe, hein. Nous avons en territoire minervois les meilleurs vins du monde. On n'a pas peur de le dire, il faut l'affirmer. Le problème qu'il y a, c'est qu'on les fait, mais on ne sait pas le dire, on ne sait pas les commercialiser. Et croyez-moi, cette aventure qui commence et qui a commencé l'an passé servira grandement à faire acquérir à nos vins cette notoriété à laquelle ils ont droit et qu'ils méritent largement. Lâchez pas la grappe. Ah, le vin. J'aime le vin. Je suis contente de participer à cette journée du vin, parce que le vin, c'est bien. Mais Albert, mais qu'est-ce que tu fais, Albert? Ne mange pas ça, c'est dégoûtant. Viens. Albert, on prend le vin, ça va, monsieur Campon, hein? On se retrouve ce soir pour la grande soirée. Ah, ah, ah. Ça va être chouette, frère. Alors, tous ces gens, ils ont gagné du vin. Ah oui, il faut acheter du vin, c'est bon le vin. C'est bon, c'est... On a fait un peu connaissance. Vous venez ce soir à la grande fête? Venez, oui. Alors, vous venez, hein? Bon, je vous rajoute du coup, monsieur Cambon. À ce soir, hein? À ce soir.
Bon, allez, alors maintenant, on va procéder à la remise de bouteilles pour ceux qui ont vendangé l'an dernier. Alors, je vous demanderai, ceux qui ont vendangé, de venir là devant moi. Et à mesure, je vous appellerai et vous viendrez prendre un carton. Nodi Marie-Jo. Et Nodi Bernard. Guy Jam. Oui, voilà. Vas-y, papy Mouzo. Allez. T'en prends deux, toi. Bon, alors, je le coche, c'est bon. C'est bon. Et ça c'est quoi là? C'est mon équipe ça? C'est ma brigade? Eh bien c'est bien, hein? Regarde ça, t'es. Albert, il faut me trouver Albert. Qu'est-ce qu'ils vont manger tous ces gens là? Ils ont la bouche comme ça. Alors, bon, j'arrive, hein? Je reviens. Une belle brigade, hein? Comme j'aime. Comme on aime dans la société Blanchet. Je suis très heureuse d'être ici ce soir pour cette fabuleuse soirée extraordinaire, on va le dire, extraordinaire. Ah, le vin! Ah, vigneron, vigneronne! Ne lâchez pas la grappe! C'est beau une grappe quand même, merde, hein? Pardon, je ne dois pas dire des gros mots. Mais en tout cas, moi, le vin, j'aime. Le vin, j'adore le vin. Le vin, c'est le sang de la terre. Le vin, c'est bon. C'est... Moi, j'en bois beaucoup, j'en bois beaucoup, j'adore. Mais ça me réussit, ça me met très dans... Il m'agace, ces deux-là. Oui, le vin, je disais que c'est bon, hein. Parce que puis, en plus, ça a des qualités. Parce que, vous voyez, le vin, c'est naturel. Et puis, c'est diurétique. Et oui, c'est diurétique, ça fait éliminer. Plus on boit, plus on élimine. Et oui, ça se voit de chez une femme qui s'entretient. Et voilà Albert qui nous amène les poulets. Ah, ah. Poulet vivant, et là, c'est pas de la bouchette avec la cellulari. La saucisse, ça va pas courir. Là. Voilà Albert. Et alors, Albert, tu t'es où, Albert? Tu t'es où, Albert? Je suis contente avec lui là, quand même, c'est bien. Je vous l'avais dit. C'est une entreprise familiale. De mère en fille et de fille en mère. Enfin, bon, il y a quand même un homme, c'est lui. Il en faut, elle est toujours, et sinon, voilà. On va se régaler ce soir, on va manger du poulet, des cailles. On va se régaler. Regarde. Eh oui, on n'est plus pas de suite. Du poulet. Bon, mais voilà. Oui. Bon, alors, bonsoir à tous. Et merci d'avoir répondu présent. Cette année, on est parti sur des fûts et des mâchedons. Des fûts qui correspondent aux vignes qu'on a vendangées avec les volontaires l'an dernier. Et cette année, ces fûts et ces mâchedons sont mis aux enchères. Et on espère, bon, parce qu'on va procéder à une prochaine vendange le 20 septembre, dans le même principe que l'an dernier.
Et on espère agrandir un peu le cercle au village environnant, de façon que chaque année, il y ait de nouveaux fûts, un peu plus de fûts aux enchères, et de monter progressivement en puissance. L'encan de l'an dernier a permis de restaurer le pressoir de Marcelin Albert, qui nous avait été donné gracieusement à la cave coopérative par Jacques Limas. Bon, alors je remercie la communauté des communes qui s'est joint à nous et qui nous a épaulés sur ce projet, et ainsi que la mairie d'Argeliès qui nous a aidés à toute l'infrastructure pour la promenade, bon, dévisser les bains et tout. Et voilà, alors je vous remercie. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est plutôt la fête qui doit nous occuper plutôt que les grands discours. Donc, on va essayer d'être bref et pas de vous saouler par des paroles. Qu'est-ce qu'on a voulu, nous, cave coopérative, cette année au travers de l'encan? C'est essayer de franchir un palier. D'abord, surtout, de renouveler l'expérience. Puisque l'an dernier, on était sur l'événementiel, c'est-à-dire on fêtait les 100 ans. Et on s'est dit, n'arrêtons pas là. Surtout pas. Donc c'est peut-être l'année la plus difficile, c'est celle où il faut instaurer, sacraliser certaines choses. C'est pas facile, mais je crois que on veut démontrer, notamment en ayant avancé la date, qu'on a un lieu extraordinaire qui est ce café, chargé d'histoire, avec une promenade magnifique. Et nous, ce qu'on veut simplement, c'est montrer qu'on est fiers d'être vignerons, qu'on est fiers de notre boulot. Et au travers des produits qu'on a essayé de présenter cette année, notamment au travers des fûts, parce que vous allez voir que l'encan va se décliner, une première partie avec des fûts, et l'acheteur pourra récupérer ses cuvées en fin d'année avec une contre-étiquette personnalisée, donc là aussi, nos changements par rapport à l'an dernier, mais aussi elle s'articulera au travers de Magnum, pour que les gens qui souhaitent aussi participer sur des niveaux moins élevés, puissent le faire. Voilà. On a essayé donc de décliner pour que ce soit l'ensemble des gens qui puissent participer. Sincèrement, c'est qu'on a un potentiel énorme, et Jean-Luc l'a dit, au-delà, puisqu'on n'est pas propriétaire, on est propriétaire de rien, hein, si ce n'est de notre fierté de vigneron, elle peut être étendue à beaucoup. Hein. On est ouvert à tout le monde, ce sont les vins du Café de Marcelin, il n'y a aucun doute là-dessus. On a une marge de progression, à mon avis, énorme. Sachons la servir. Et moi, je vous dis bonne fête à tous et à l'an qui vient. Notre ambition et que cette manifestation, inscrite dans le cycle des saisons, soit l'ambassadrice de notre patrimoine et du savoir-faire vigneron. Les esprits chagrins diront sans doute une de plus, mais elle a le mérite d'être la nôtre, ou plutôt la vôtre qui est là aujourd'hui, et surtout d'être unique sur notre territoire. C'est un challenge que nous pourrons relever, mais tous ensemble. Et comme Marcelin, nous ferons le tour du territoire pour que la fête rassemble chaque année un peu plus et donne ainsi l'occasion à tous de découvrir la diversité et la richesse de nos villages. Merci. La communauté de communes n'est pas une communauté de communes de 7 communes, mais une communauté de communes de 12 communes. Et comme l'a dit Viviane l'an prochain, ce sera l'ensemble du territoire qui sera associé à cette démarche. Et tous les vignerons, caves particulières, caves coopératives, dans ce rôle-là, sur le parvis du café de Marcelin Albert, pour lancer cet appel vigneron, non pas, comme l'a dit
Viviane, dans le sens d'une révolte, mais au contraire, d'une pierre apportée à l'édifice de nos meilleurs vins du monde. On est là pour lancer quelque chose, on est là pour réussir. Et c'est parce que nous sommes les vignerons, les élus, les monde associatifs et vous-même tous privés et participants à cette opération que nous réussirons. Nous y donnerons de l'ampleur, la communauté de communes s'en chargera, ça je peux vous l'affirmer. Merci. Ce matin, vous qui étiez, ceux qui assistaient à la dégustation, dégustation gratuite, je précise, il y avait les vins de Roubia, de Sainte-Vallière, de Bise et d'Argeliès. Cette vente aux enchères qui sera faite tout de suite là, qui sera mise sous le marteau de l'Encantaire. Je me suis laissé dire tout récemment que Ancan venait d'Encantaire, d'un chanteur. Et je pense que cette vente aux enchères nous permettra donc, avec ces vins des différents coins du territoire, de faire connaître en particulier ces vins de Roubia, de Sainte-Vallière, de Bise et d'Argeliès. Merci. C'est la deuxième année donc, que j'ai le plaisir de faire cette vente à titre tout à fait amical. J'ai pas la prétention d'être un commissaire priseur, mais je participe tout simplement avec cette association à quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est en fait le Monseigneur Levin, tout simplement parce que quand je parle du vin, je parle d'un monsieur, d'un grand monsieur en tout cas. Donc pour vous parler de la vente de ce soir, vous vous souvenez bien sûr comment c'était l'année dernière, ça va faire exactement la même chose, sauf qu'aujourd'hui je vends des barriques, une barrique, ça fait 300 bouteilles. Vous allez donc acheter 300 bouteilles. Une barrique égale 300 bouteilles. Vous pouvez même vous mettre à plusieurs pour acheter une barrique. Alors, il faut savoir qu'il n'y aura aucun frais supplémentaire qui sera compté sur votre enchère. Ça veut dire que la mise que vous faites, elle sera nette. Aucun pourcentage ne sera rajouté. Ça veut dire que si vous mettez 100, ce sera 100 et non pas 110. Je dis 1200 pour la première barrique. Alors, Monsieur Fabre, donc, vous êtes le président de la communauté des communes. Vous achetez pour qui en particulier? Vous achetez pour qui? Le Conseil général? C'est ça? Alors, 1200, qui surenchérit sur Monsieur Fabre? Alors, je dis 1300. 1300 sur Monsieur Fabre. 1500, qui dit mieux pour 1500? Alors, 1500, je le laisse. 1550? Alors, 1550 pour monsieur. 1550, monsieur Fabre, on y va? 1600? Allez, 1600 pour monsieur Fabre. Qui dit mieux que 1600? Mais ça peut être aussi dans le public, ça peut être aussi, bien sûr, sur ces invités qui sont assis, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, dans le public. Alors, 1600. 1600 pour monsieur Fabre. C'est ça? Alors, j'adjuge donc le 1600 pour le premier. Une fois? Deux fois? Alors, trois fois? Ça va, ça a passé le bruit? Bravo! Alors, 1550 une fois, 1550 deux fois, 1550 donc trois fois. Alors, donc vendu pour la Mavie Cabezac et M. Rivoire. Voilà! Bravo Albert! Alors Albert! Albert nous dit, avec son cri grand, que maintenant c'est l'heure de la fête!
ça ne dira rien. On n'a pas mis de l'entendre. On est content que l'on ait mis de l'entendre. Vous faites de l'huile d'olive, vous faites du vin, des amandes, chèvre à Camelot, là-haut, du coup, les chèvres, je vais d'accord, un nouveau pot pour rien, des amandes, c'est la Camelot. Pour rien, c'est la meilleure qui s'appelle. Excessivement satisfait puisque bon déjà il y a une participation extraordinaire, il y a plus de 300 personnes, il y a une bonne ambiance, je crois que bon, l'encan a été une réussite puisqu'il y a eu une recette qui a dépassé celle de l'année dernière, donc financièrement tout va bien et en plus bon, les gens apprécient les vins qui sont goûtés ce soir, qui sont dégustés, donc c'est effectivement une parfaite réussite. Pour rebondir à partir de l'appel historique de Marcelin qui était un appel donc, de révolte lié à la révolte des vignerons, et aujourd'hui c'est un appel à la qualité, à la nécessité de faire reconnaître nos vins sur notre territoire comme partout et donc acquérir une notoriété qui est nécessaire afin que nous puissions demain donc être encore présents parce que la viticulture est en sérieux danger. Et donc aujourd'hui on se doit, nous les élus, d'accompagner nos vignerons pour les aider donc, à commercialiser les vins, à les faire reconnaître. Je crois que si on ne fait pas ça, on n'est pas dans notre rôle. C'est pas la peine de parler d'aménagement de territoire si demain on ne sait pas. Si demain il n'y a plus de viticulteurs, parce que notre territoire demain sans les viticulteurs, ce sont des travailleurs de l'espace, ça voudra dire quoi? On peut faire toute la politique touristique qu'on voudra. S'il n'y a pas les vignerons pour travailler les terres et notre territoire, donc notre territoire ne ressemblera à rien du tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut les accompagner dans leur effort qualitatif. La cave coopérative d'Argelès regroupe déjà 4 anciennes caves coopératives de 4 villages différents. Donc moi je suis maire de Bise en même temps, les sapeurs-pompiers de Bise sont ici. Je crois qu'il faut s'inspirer de ce que font les acteurs économiques et sociaux de ce territoire, en tirer nous les élus des leçons, et pour mieux se projeter demain. Un territoire ne peut réussir que s'il s'appuie sur son passé, son histoire, son patrimoine, et en même temps en adaptant les nouvelles technologies et en les appliquant sur ce territoire-là, quoi. Aujourd'hui, c'est une journée qui fait le lien entre ce qui s'est passé l'année dernière donc au moment des vendanges et aujourd'hui donc, c'est le résultat de ces vendanges qu'on a présentés ce matin à 11h donc à tous les dégustateurs qui étaient présents dans le caveau Marcelin Albert à Argeliès. Et ce soir donc on déguste les vins, on fait la fête, hein, on fête les vendanges tels qu'on le faisait avant, hein, avec les nappes, les grands repas que nous faisions avant, festifs, conviviaux, et on veut recréer cette ambiance. Mais l'année prochaine on va encore reprendre une dimension. C'est-à-dire que dès les vendanges prochaines, c'est tout le territoire qui va vendanger. Et on va présenter l'année prochaine à l'Encan des fûts de l'ensemble du territoire, de toutes les communes de la communauté de communes. Et on va associer donc les caves particulières avec les caves coopératives, parce que c'est tous ensemble qu'on réussira. Et on va même instaurer une sorte de concurrence entre tous ces producteurs de vin, ces éleveurs de vin, et ainsi on pourra mieux présenter l'ensemble de la palette des goûts et de la diversité de notre terroir, quoi, aux consommateurs qu'on va faire venir en masse. Je me souviens de mes grands-parents qui me disaient qu'ils portaient mes parents sur les épaules qui étaient petits, et puis ils venaient sur cette place, hein, et c'est là que Marcelin Albert s'est exprimé, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience de la situation de la viticulture. Et cette situation est excessivement grave. Est excessivement grave alors que ce n'est pas mérité, parce que ce sont des gens qui sont très durs au travail, qui veulent travailler et vivre au pays. Et il y a comme une fin de non-recevoir. Aujourd'hui, bon, je ne veux pas faire de politique, c'est pas le soir, mais je veux dire, on est sur de la culture qui sont des cultures pérennes. Quand on plante une vigne, c'est pour au moins 50 ans. On n'est pas sur du blé, on n'est pas sur des céréales. Donc on a incité les gens à planter des cépages pour produire des vins de qualité. Aujourd'hui, ils ont fait cet effort-là, et malgré cela, on ne comprend pas pourquoi, mais le marché ne se débloque pas, alors que la qualité, elle est là. Voilà. Alors c'est vrai, on se retrouve dans une situation qui est
qui est catastrophique. Parce que ce sont des gens qui ont investi, qui ont des charges financières, et aujourd'hui, leur travail et le vin qu'ils produisent, leur produit fini, en fait, ne les rémunère pas. Ils ne peuvent pas vivre de cela. Donc ça, on ne peut plus l'admettre. On ne peut pas l'admettre. Dans une société telle que la nôtre, on ne peut pas l'admettre. Donc il faut que... Moi, je lance un appel. Je lance un appel parce qu'effectivement, on doit se pencher sur ce problème-là. Parce que sinon, c'est un territoire désertifié qu'on va avoir demain, quoi. Et ça, en tant qu'élu, on doit le refuser. Et il faut qu'on en soit tous conscients de ça. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience. Et c'est à travers des événements comme ça qu'on pourra toucher la conscience des élus et qu'on se mettra au chevet de la viticulture. On ne va pas la sauver. C'est pas notre domaine. On est dans de la mondialisation, on est sur un marché mondialisé. Mais si déjà, nous, à notre niveau, on, sur notre territoire de proximité, on ne fait pas des efforts dans ce sens, eh bien, ce n'est pas la peine qu'on aille plus loin, quoi. Et ça, il faut qu'on le sache. Alors, Marcelin Albert, oui, a lancé un appel à un moment donné. On n'est pas là pour se comparer à lui. Mais on est dans une crise aujourd'hui aussi grave, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on doit se mobiliser. Il ne peut pas y avoir d'un vin. Il ne peut pas y avoir de bons vins sans des bons vignerons et sans un bon terroir. C'est grâce à ça qu'il y a un bon produit, quoi. C'est ça l'avenir de la viticulture. C'est des hommes, un produit et un terroir. Voilà. Je peux lui dire, c'est qu'en honorant aujourd'hui, à travers cette fête qui est magnifique, Marcelin Albert, quelqu'un qui nous avait donné l'exemple pour défendre ce midi viticole à une époque où c'était la période était trouble et mauvaise, eh bien, il faut qu'il sache que nous nous sommes battus pour cette viticulture et que cette viticulture est éternelle. Et qu'il fait partie de la génération de la nouvelle viticulture, celle qui fera revivre le midi. C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui et que toi, demain, il te faut prendre le relais parce que la viticulture du midi, elle est éternelle. Elle a vu naître le Christ, elle durera encore longtemps et tu es le maillon qui perpétuera la défense de cette viticulture dans le temps. Avant de passer le flambeau à d'autres générations. Oui. Pendant que certains sont en train de se faire battre en Chine, d'autres accostent le Dalai Lama, on ne sait plus si on le prend ou si on ne le prend pas. D'autres sont à Lourdes. Eh bien, notre mec à nous, c'est ici, la maison de Marcelin Albert. Ce que je peux y dire, c'est que c'est un message fort qui passe aujourd'hui, quoi. En tout cas, voilà, quoi. On sent qu'il y a... C'est, comment dire, une transmission de génération. Il nous explique un peu, on comprend qu'on fait partie de cette chaîne, en fait, qui est éternelle, si on veut. Donc, ouais, on comprend bien les enjeux aujourd'hui de la jeunesse vis-à-vis de la région, des produits qu'il faut valoriser, continuer la lutte dans un certain sens, si on peut appeler ça...
une lutte, quoi. On comprend les enjeux de demain, quoi, en fait, pour notre avenir et notre profession, en fait. Voilà. Pour, Allez, à la santé de Marcelin. Génération future. Une traîne. Voilà. Des fois, on mange bien comme ça, parce qu'on a bien mangé, hein. On a bien mangé, la frite est formidable, le poulet est délicieux, mais mon Dieu, quand il reste le fromage et qu'il y a encore du vin, on se dit, c'est le meilleur, hein. C'est Albert Marcelin, il est quand même porté bien son nom, hein. Alors je vous dis, à Juliès, une grande ode, hein, ode, Odette, hein, Odette, Albert, Albert. Ah oui, c'est le théâtre non maîtrisé, c'est l'impro, c'est à partir d'une trame qui a été écrite avec mes amis. On a composé donc une série d'à-propos de théâtre, c'est un peu l'à-propos, c'est-à-dire à un moment donné, quelquefois dans les circonstances, on n'est pas toujours prêt, et donc on s'adapte. Et c'est la force symbolique du café, la force symbolique de la place, il y a des forces symboliques partout ici, et c'est le rapport qu'on entretient avec ces forces symboliques sur quelque chose de contemporain, c'est-à-dire avec des moyens contemporains. On n'est plus dans la folklorisation, on est dans des moyens contemporains. Et je crois que c'est la voie qu'il faut comprendre à partir de là. On trouvera dans le déroulé des exemples qui font rapport à l'histoire, etc. Les rapports à l'histoire, au clairon, par exemple, et les détournements. C'est de détournement, c'est une technique comme une autre au niveau théâtral, mais c'est quelque chose qu'on se doit d'employer pour être en le coup. Pareil pour le vin, c'est du même ordre au niveau du vin. Arrête. C'est pas vrai. Va me dire, t'as des petits pots. Oui, mais l'authenticité, c'est au-delà du concept, c'est aussi une somme d'individus qui construisent ce projet dans une démarche artistique personnelle. C'est-à-dire, je donne, entre guillemets, sans prétention, à chacun un espace de création, et c'est ces espaces de création qui créent le tout. Et évidemment, ça doit être dirigé, construit, et on construit. Il nous arrive de construire en amont, de construire au moment, mais c'est tout ça qui fait que, et c'est le travail que j'ai mené depuis 20 ans, 25 ans sur d'autres aventures qui se poursuit. C'est un chemin comme ça. Et là, toi, tu fais. L'idée, c'est que sur des espaces comme ça, qui sont très chargés, qui pèsent, dans lesquels on pourrait s'embourber sur des forces folklorisantes, je l'ai dit tout à l'heure, on essaie de se mettre dans cet univers, sous ces arbres, ces esplanades qui sont. Les esplanades, c'est l'Occitanie, c'est ces écritures de ces places, etc. Mais, comme je dis, dans une forme moderne, on l'a vu un peu décalé. Le café était bleu, était rouge. On a rompu avec la commémoration. Donc on passe à autre chose pour parler au monde autrement. Et très certainement, on a parlé au monde autrement avec la vidéo, avec les films sur les vendanges, ce qui a été fait par une équipe que je connais très bien. Et donc, à partir de là, c'est toutes ces petites voies qui sont ouvertes. Ah, tous mes poulets, j'ai été tué, c'est pas publié, mort. Ah, il y a une aile là, un cul, une aile.